Yo les potos, c'est Fire Danny. Donc voilà, on s'attend pour une vidéo sur GTA Online pour une présentation d'un nouveau DLC. Donc à vrai dire, cette semaine je devais sortir des vidéos mais j'ai mes examens. Donc normalement je pouvais même pas tourner cette vidéo, mais je me suis dit au moins une vidéo cette semaine. En tout cas, au moins une. Donc je vais vous présenter les trois véhicules, les armes, et je vais découvrir avec vous, parce que je viens de rentrer de cours, il est 6h30. Je suis rentré à 5h30, j'étais presque chez moi. Donc aujourd'hui, alors je vais vous présenter les véhicules. Enfin, il y a le Vapid Slam Van. Ah ouais, le Slam Van, le retour. Le De Derzy Virgo classique. Et la faction normalement. Ouais, faction. Donc je vais faire des coupures entre là-bas, enfin entre le déplacement des véhicules jusqu'au BNI. Comme ça on y va un peu plus vite. Alors je vais vous montrer les vêtements et aussi les armes. Donc à tout de suite pour customiser le véhicule. Donc je vais pas vous montrer comment je vais le customiser. D'abord en fait je vais le customiser, et dès que j'aurai customisé je vous le montrerai. De toute manière je vais vous montrer deux petits trucs qu'il y aura de nouveau sur la customisation. De toute manière, mais je vous montrerai pas toute la customisation. Donc voilà, le premier véhicule c'est le Slam Van. Donc je le trouve vraiment super. Niveau motif, on peut vraiment choisir de belles choses. J'en ai douté entre deux, mais finalement j'ai pris celui-là. Alors c'est le motif, je ne me rappelle plus du nom. Donc je vais vous montrer bien sûr les pompes hydrauliques. On les a, si je me rappelle, voilà. Et c'est vraiment la classe. Non, vraiment pour un Slam Van, des vieux véhicules, on va dire comme ça, par rapport aux super sportives, etc. Je trouve stylé. Il est vraiment marrant. Bah, on va un petit peu le tester de toute manière. Et après, on passe au prochain. Je vais vous montrer tout de suite aussi. On fait juste le tour. Je vais vous faire maintenant un petit test du véhicule. Genre, je l'ai customisé de toute manière au max. Donc, il est vraiment super. En plus, il est rapide en fait quand tu customises au max. Donc voilà, je vais juste vous montrer les motifs différents et on passe au prochain véhicule. Donc comme motif, il y a le Hokien, il y a celui-là. Au début, je voulais celui-là, mais je me suis dit, attends, je vais regarder les autres. Un peu genre cassidou, je trouvais stylé. Je doute entre celui-là et celui-là. Mais finalement, j'ai pris celui-là. Et je pense que voilà. Donc voilà, on va passer au deuxième véhicule. Et voilà, maintenant je vais vous montrer la faction. Donc je vais vous montrer customisé tout de suite. Donc, voilà, le deuxième véhicule, donc c'est la Willard Faction. Donc je l'ai mis en... il y a un nom. Alors vous pouvez soit la mettre comme ça, comme je l'ai mis, genre une sorte de Cold Brawler, ou une sorte de voiture normale comme au début, mais j'ai choisi comme ça. Je doutais encore entre deux motifs, mais finalement j'ai pris celui-là. Je le voyais pas comme ça avec ce motif, mais bon, je voulais changer un peu de couleur du motif, mais c'est pas grave. Alors, je le trouve vraiment stylé celui-là aussi. Donc, en première personne, il n'y a rien de spécial de toute manière. Il y a pratiquement rien de spécial. Et voilà, bah, je pense qu'on va, faire un petit test. Et je vous montre le dernier véhicule. Donc maintenant je vais vous présenter le dernier véhicule. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, la transformation. Donc en fait j'ai eu un petit problème. En fait la capture s'est arrêtée, donc je dois recommencer la vidéo, enfin la deuxième partie. Donc voilà le dernier véhicule que j'ai customisé. Donc je trouve joli, mais quand même je vais vous dire, mon préféré reste quand même le Slam Van. Donc celui-là je l'aime bien, le deuxième aussi, mais bref, reste le Slam Van. Donc maintenant je vais vous présenter les deux nouvelles armes. Je les ai déjà achetées parce que vu que j'avais déjà fait la vidéo, ça n'avait pas tourné. Donc je vais vous présenter les armes et aussi les nouvelles tenues et habits en fait, quoi. Les vêtements tout court. Donc voilà le dernier véhicule, je trouve ça. Donc maintenant on se trouve pour l'arme, les armes et les vêtements. Donc pour les armes, nous avons le fusil compact. Donc je le trouve vraiment super, j'ai déjà testé avant.
Donc je sais pas si vous entendez bien le jeu en fait. Alors je sais pas tout court si vous entendez le bruit, mais je kiffe bien ce bruit là. Alors on va attendre, on va tuer quelques poteaux hein. Vous voyez, je sais pas. Voilà, quelques poteaux à terre. On attend d'autres hein. Donc voilà, on va tuer ces flics. Et après on passe à la deuxième arme. Donc voilà. Je trouve vraiment stylé ce fusil compact. Ça me rappelle un peu la K-47 sur les premiers Call of. Donc les Call of genre la guerre mondiale, etc. Donc voilà, je le trouve vraiment stylé. Genre un petit peu la première personne. Voilà, le viseur, le chargeur. Voilà, tout. Ouais, je trouve qu'il est pas mal. Une belle cadence. Non, ça, vraiment, ils ont géré pour ça. Mais vu que moi j'adore les armes, niveau IRL ou pas, et rajouter des armes, ça fait toujours plaisir. Donc maintenant, on va passer au fusil. Alors voilà, l'arme, on va passer au fusil qui s'appelle le fusil à double canon. Alors je le trouve un peu moins efficace et assez lent, mais ça passe toujours, hein, je le dis. Alors ouais, parce que lent, parce que ça charge à chaque fois. Après, non, en fait, efficace, il le tue en un coup en fait. Bon, quoique lui il est vivant et je suis mort. Donc j'ai un peu plus vous le montrer en première personne. Et après on va passer aux vêtements. Donc voilà, en première personne ça donne ça. Le charge, quand il charge comme ça. Allez. Donc maintenant on va passer aux habits et tenues. Donc je vais vite vous montrer des petites tenues. Voilà, le rider, il y a celui-là. Voilà, je vous les montre deux spi. Ah, je crois que c'était le logo BO3. Je trouve qu'ils sont assez belles les tenues. Enfin, quelques-unes qui changent un petit peu, comme cette tenue que j'ai en ce moment. Bah, les hauts, je vais vite vous les montrer. J'ai les vestes de travail. Ils sont comme ça, les vestes de travail. Voilà. Je les vous montre vite parce que je dois partir quelque part. T-shirt de travail, je kiffe bien ce t-shirt, le logo H, j'aime bien. Après, il n'y a rien d'autre ici, j'avais déjà vu. T-shirt designer aussi, ouais, aussi. Il y a les chemises de travail, bon, tout déboutonné. Ils auront dû enlever le petit dernier en haut, mais bon, c'est pas grave, ça change un petit peu. Et les suites à capuche que je kiffe bien, ça, c'est un peu les suites à capuche du bled. Vous voyez, ouais, je pense que. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ceux du bled sont genre comme ça et tout. Donc voilà, au niveau bonnet et tout, il n'y a rien d'autre. Alors ici c'est tout. Alors moi je vais garder celui-là. Il n'y a pas grand chose d'autre hein, au niveau niveau tenue. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je kiffe bien ce genre de tenue, c'est sweat à capuche. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez un gros like. Abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. Et on se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo d'ici vendredi.